Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre session de jeu sera le jeu Sight. Donc voici la boîte. C'est un jeu qui est reconnu pour la force de son automa. Donc une partie solo serait très, 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 très intéressante. L'automa est très difficile, mais en tout cas assez difficile. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et regardez les illustrations de la boîte. C'est très beau, c'est très bien dessiné. C'est un genre de réalité alternative après la Première Guerre mondiale. Il y a des robots mécanisés qui sont construits et qui parcourent les champs et il y a du conflit en différentes factions. Donc, voici le jeu de plateau, le jeu. Il consiste en beaucoup d'éléments. Pour commencer, on va commencer en bas à gauche. Ici, on a des cartes rencontres. On a un paquet de cartes rencontres. Chaque carte rencontre, je vais prendre le dessous pour vous montrer. Donc, c'est sûr que je la pigerai pas le dessous durant la partie. Donc, aucun danger à vous la montrer. Regardez. C'est un peu comme le même style que la boîte, les mêmes dessins. Il y a trois choix. Le premier étant le choix le plus généreux la plupart du temps. Et plus on descend, plus les choix nous coûte en ressources, en points, mais donne plus de bonus. Donc, c'est des choses qu'il va falloir choisir durant la partie si on est bien avancé, si on décide de payer plus pour avoir plus d'avantages. Ici, c'est des cartes objectifs. Encore une fois, je vais prendre la carte dessous. Dans la partie, on a deux. La plupart du temps, on a deux. On pige deux de ces cartes-là et on choisit. On choisit, si on réussit un des objectifs sur la carte, bien on gagne une étoile. Qu'est-ce qu'une étoile, vous me dites? Mais une étoile, on les retrouve dans la partie supérieure du jeu. Là, on ne les voit pas sur la caméra, ça va descendre un peu le plateau de jeu. C'est ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sections. Et on fait plusieurs objectifs durant la partie. Et à chaque fois qu'on accomplit un, on met une étoile ici. Et la partie se termine quand un joueur réussit à mettre 6 étoiles. On a 6 étoiles en tout. Il faut mettre les 6 ici. Soit qu'on accomplit toutes les améliorations, on construit nos 4 mecs, robots, on construit 4 bâtiments. On réussit à ajouter aux 4 enrôleurs, on déploie nos 8 ouvriers, on accomplit un objectif qu'on a vu ici, on gagne un combat, on peut gagner 2 étoiles pour gagner des combats, on atteint 18 sur l'échelle de popularité ou on atteint 16 sur l'échelle de la puissance, la force militaire, si on veut, on peut dire. Donc, c'est le but du jeu et après ça, on compte la fortune des joueurs. Et celui qui a la plus grande fortune gagne la partie. Les jetons, on parlait des cartes rencontres tout à l'heure, je parlais, bien, il y a des jetons rencontres sur le jeu. Donc, quand notre personnage tombe sur ces endroits, ces hexagones, ben, on ramasse les jetons rencontres et on pige une carte et on résout la rencontre. Ici, en haut à droite, il y a les cartes combat. Donc, quand on fera des combats, on pourra appliquer les bonus de ces cartes au point de force militaire qu'on aura choisi pour faire des combats. Donc, si on s'en produit un durant la partie, vous l'expliquerez comment ça se passe. Et ici, il y a des cartes usines. Ici, c'est l'usine. C'est comme un grand complexe industriel. Et quand notre personnage s'y rend, ben, on pige une des cartes qui est. Bon, on a trois. C'est une carte. C'est le nombre de joueurs plus une. Donc, comme il y a moi, l'automa, ça fait trois cartes. Donc, on pige une de ces trois cartes-là. On choisit laquelle qu'on désire prendre. Et elle nous sert maintenant à faire des actions. Maintenant, les actions, qu'est-ce que c'est les actions? Ben, si on a un plateau de joueurs qui est comme ça, il y en a 5 différents. Même s'il y a 7 factions sur le jeu, il y en a 2 qui proviennent d'une extension. Dans le jeu de base, il y en a 5. Donc, il y a 5 plateaux différents et ces plateaux consistent en divisés en 4 sections. On peut on, y a, on, une, dans chaque section, une partie supérieure, une partie inférieure. Donc, on fait la partie
On fait dans notre. Donc, je décide de venir ici, je décide de déplacer les personnages, mais je fais cette action-là, et après, si je peux, si j'ai les ressources nécessaires, je peux faire l'action du bas. C'est très vite expliqué, mais pendant la partie, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et aussi, on a nos plateaux de faction. Ici, donc, il y en a cinq, là aussi. Donc, ces plateaux-là, c'est là aussi qu'on va mettre nos étoiles, qu'on va mettre nos mecs qui donnent les capacités. Il y a différentes informations, des capacités spéciales. Donc, on verra ça aussi. On a des ressources. On a quatre ressources dans ce jeu. On a le métal. Donc, je vous rends ici, le petit bloc de métal pour construire des mecs. On a du bois pour construire les bâtiments. On a de la nourriture pour les enrôleurs. Et on a du pétrole pour les améliorations. Et on a de l'argent. Évidemment, c'est comme ça qu'on compte notre fortune et qu'on accumule, on doit accumuler. Ici, un petit espace, c'est pour ajouter une carte bonus. On a une série de cartes bonus comme ça, qu'on a pigé au hasard. Et en fin de partie, ben, ça nous donne des petits bonus là, pour nous aider à remporter la partie. Fait que je pige la première. Bon, celle-là, donc, les maisons qui sont construites sur des tunnels, les bâtiments construits sur des tunnels, nous donne des sous, de l'argent de plus en fin de partie. Donc, si on réussit à construire nos quatre bâtiments sur des tunnels, les tunnels sont ici. Il y en a six, je crois. Un, deux, trois, oui. Donc, on construit les bâtiments là-dessus. Ben, si on a construit quatre, ben, ça nous donne six sous en fin de partie. Ça peut faire toute la différence. Et voilà. Donc, je parlais d'un automate tout à l'heure. L'automa, il est ici. Donc, l'automa a plusieurs niveaux de difficulté. On va jouer en mode normal. Le facile, c'est un peu trop facile. Normal, d'habitude, c'est un bon défi. Ceux qui gagnent au très difficile, ben bravo, là, vous êtes des experts. Moi, je m'en tiens au mode normal. Ça va être déjà un bon challenge. Les cartes le deck automa, que je vous expliquerai quand sera venu le temps d'épiger des cartes. Je crois qu'on a fait pas mal le tour du matériel. En gros, ben, il y a plusieurs autres pièces. Mais auparavant, je vais choisir au hasard ma faction. Donc, on peut choisir la faction nous-mêmes ou on peut choisir au hasard. Ça rajoute un petit niveau de difficulté, un petit niveau de surprise de choisir au hasard. Parce que quand on dit le plus avantageux, c'est de choisir une faction et mettre l'automa carrément au bout de la carte. Comme ça, on a plusieurs tours de jeu avant de le rencontrer. Puis ça fait une partie un peu moins difficile. Mais si on l'a juste à côté de nous, ça peut faire des parties un peu plus frénétiques et des combats assez rapides. Donc, quand je vous montre, je vais choisir au hasard ma faction et celle de l'automa. Bon, moi, je vais prendre celle-là. Je vais être l'Union russe-soviétique. Donc, je vais jouer ici à droite. L'automa, lui, sera. J'espère que ce ne sera pas le bleu en haut. Ah, ben tiens, par chance, c'est lui carrément à gauche de la carte. Donc, le hasard a voulu que j'aie que ce soit pas trop difficile en partant. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque faction de capacité spéciale, celle-là, moi je l'aime vraiment, c'est qu'on peut choisir la même section de votre plateau joueur qui est au précédent. Donc, normalement, dans une partie, on ne peut pas choisir deux fois de suite la même section du plateau joueur. On doit se déplacer toujours une à l'autre. Il est interdit de faire deux fois comme la même action se déplacer. On peut la faire une fois, après ça on fait une autre, on peut revenir après, mais on ne peut pas faire deux fois de suite. Mais lui, il le peut. Donc, c'est très intéressant. Et sa capacité à lui, à l'automa, c'est qu'il peut choisir deux actions par quatre rencontres. On en choisit juste une comme lui. Mais il ne pige pas de quatre rencontres. Ça ne lui donne absolument rien. L'automa, il n'utilise pas beaucoup c'est juste pour finalement mettre les mecs, mettre ses étoiles. L'utilité est assez limitée pour l'automa. Et on va piger la même chose. On fait la même chose pour le plateau joueur. Il y a juste moi qui ai un plateau joueur. L'automa n'en a pas un. Il y a juste un plateau de faction. Donc, j'espère que ça va être un qui.
Donc, je vais avoir... Oups, un plateau, est-ce que je vais essayer de trouver le nom du plateau qui est quelque part. OK, le plateau du type patriotisme. Donc, c'est voici les actions que je peux faire. Donc, ici, la première section, je me déplace et ensuite, je peux faire une amélioration. Deuxième section, je paye de l'argent pour avoir des points ici, l'échelle de puissance militaire, et je peux construire un mec. Troisième section, je paye de l'argent pour acheter des ressources et je peux construire un bâtiment. Et quatrième section, je produis des ressources et je produis un enrouleur. Donc, je le mets là. Hors caméra, je vais placer tous les petits jetons et je vous reviens. Bon, comme on peut voir ici, j'ai mis mon plateau de joie, j'ai mis tous les jetons, les pions qui s'y rapportent. Donc ici, il y a une mine, on va construire une mine. Une mine, c'est qu'on peut construire sur n'importe quel hexagone et elle relie cet hexagone-là aux autres mines. Donc, si je construis une mine ici, ben je peux me déplacer après ça dans n'importe quelle autre mine sur le plateau. Donc, c'est un raccourci. Ici, c'est un monument. Quand je vais l'avoir construit, ben quand je vais faire l'action ici, ils vont me donner un point de popularité. Ici, c'est un arsenal qui va me donner un point de sur l'échelle de force militaire. Ici, c'est tous mes petits ouvriers. Et un moulin. Un moulin, c'est comme un bâtiment qu'on met sur un territoire qui nous rapporte une ressource à chaque fois qu'on produit. Nos quatre enrôleurs qui sont ici. C'est que ça nous donne les bonus, les enrôleurs. Quand on va accomplir l'action du bas, si l'enrôleur n'est plus là, ben en plus on ramasse le bonus à toutes les fois. Et aussi quand que le joueur adverse accomplit l'action, on a aussi le bonus. Donc ça nous aide, ici mon pion de joueur. Sur mon plateau de faction, j'ai mes 4 mecs. En dessous de chaque mec, j'ai une capacité. Donc on s'entend que le premier mec qu'on va construire, ça va être lui, je vous expliquerai pourquoi. Les 6 étoiles. Ces étoiles qui sont là. Et ici, c'est quand on construit ou on fait un enrouleur, ben on le met sur un de ces cercles-là, ça nous donne un bonus immédiat. Après ça, ben j'ai le deck du l'automa. L'automa se déplace à chaque fois qu'il y a une étoile qu'on va sur sa carte l'automa, ben on va déplacer le petit cube ici de 1. Et quand il atteint un espace qui a une étoile pleine, il y en a 6 sur la carte, on prend une de ces étoiles, on la met là-bas. Fait que lui, il peut mettre ses 6 étoiles avant nous. Ça arrive assez souvent même. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, par exemple. On peut avoir une plus grande fortune que lui. Donc, voici le plateau de joie l'automa. Donc, c'est 4 mecs, c'est 6 étoiles et ses ouvriers. Oups, et voilà, première gaffe. Lui commence toujours à 9 sur... Il bouge pas de l'échelle de popularité, il est à 9, mais il reste là tout le long de la partie. Bon, moi, je vais voir pourquoi je suis à 2, je vais vous expliquer. Sur mon plateau de faction, on voit que c'est écrit 3 ici. Donc, j'ai commencé à 3 sur l'échelle de force militaire. Et 2, je vais me prendre 2 cartes combat, que je vais prendre tout de suite. 1, 2, 5 et 4, c'est des super bonnes cartes. Je vais me battre. Je suis bien équipé, je vais mettre de côté. Et il y avait aussi sur mon plateau de joueur 2, donc je vais prendre 2 cartes objectifs que je prends de ce pas. Donc la première carte, c'est si je veux avoir l'objectif et avoir l'étoile, c'est que je vais avoir au moins 7 points de puissance et forcer un ouvrier adverse à battre en retraite après une action de déplacement. C'est pas si difficile à accomplir. 7 points de puissance, c'est ici. Il faut juste que je monte à 7. Et je fasse battre en retraite un ouvrier. Ce que j'ai à faire, c'est déplacer soit mon personnage, soit un mec sur un territoire que l'ouvrier adverse il est. Et il va. Ça, je vais accomplir l'objectif. Le deuxième, c'est un des deux. Le deuxième, c'est un loup dans la bergerie. Contrôler un territoire avec votre personnage, exactement un mecha, exactement un ouvrier, et au moins 5 ressources à la fin de votre tour. Bon, ça se fait ça aussi d'habitude, c'est quand il y a beaucoup de ressources.
Ton personnage, Jamaïcain, un ouvrier. Ouais, les deux, ça peut s'accomplir quand même raisonnablement. On voit ici, je suis à 2 sur la popularité, c'est ce que j'ai fait là-bas. Et 6, je commence avec 6 en argent. Ça, pas mal ça pour le début de la partie. Donc, on est prêt à commencer. Oui, je peux vous expliquer aussi, de chaque hexagone, il y a vous voyez ici, il y a des icônes de ressources. Donc, comme là, sur mon territoire, que je commence. Bon, on commence toujours avec notre personnage et deux ouvriers. La Thomas est la même chose. Donc, ici, j'ai un territoire qui produit du métal et un autre, c'est un village. Lui, quand il produit un ouvrier. Au début de la partie, on ne peut pas traverser la rivière. Voici une rivière ici qui délimite notre territoire. On ne peut pas traverser. On est comme pris ici tant qu'on n'a pas construit un mec. Quand on a construit un mec, on peut traverser, mais traverser selon une certaine séquence. Comme moi, je peux juste traverser les rivières vers les fermes et les villages. Donc, je peux traverser la rivière. Je peux aller ici, je peux aller ici, je peux aller ici. Je peux pas aller là ni là. Dans les lacs, on ne peut pas y aller. Je ne peux pas aller là non plus. Donc, on est limité, mais bon, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, au début, c'est faire des ressources. Donc, pour moi, construire un mec, ça va être assez facile, je pense, au début. Et pouvoir me sortir de mon territoire et progresser, puis voir comment que je peux faire le plus de points, le plus d'argent possible. OK, je replace la caméra sur en place et on va pouvoir commencer la partie. Donc, j'ai pris mes six argent, 6 sous pour. Et l'automa, j'ai oublié de vous dire, commence toujours avec 5 sous. Son départ, c'est ça. Ici, quand à la fin de partie, quand on compte le nombre d'étoiles qu'on a, le nombre de territoires qu'on contrôle et le nombre de ressources, donc plus qu'on est populaire, plus ça nous rapporte d'argent. Parce qu'à la fin, chaque étoile vaut tant d'argent, chaque territoire qu'on contrôle vaut aussi tant d'argent, chaque ressource qu'on a sous la main vaut aussi un montant d'argent. Et plus qu'on est populaire, plus le multiplicateur est élevé. Donc, on a intérêt à augmenter cette popularité-là pour avoir le plus de fortune en fin de partie. Ça, c'est un des secrets du jeu. Pas très, très secret, mais bon, il faut le faire. OK, je vais commencer la partie je vais commencer par produire, j'ai pas le choix, donc produire des ressources, ça me paraît la première étape à faire. Donc, je vais produire un métal ici et mon village va me produire un ouvrier. Donc, c'est la seule action que je peux faire par l'action du bas qui est de faire un enrouleur, mais ça prend trop de nourriture et je n'ai pas trop de nourriture maintenant. Donc, ça se termine là. C'est sûr que j'aurais pu aller là pour faire des ressources. Ça me permet de prendre un sou, acheter des ressources, n'importe quelles, d'acheter deux. Peut-être que c'est ça que je vais faire le prochain tour, on verra. Bon, l'automa maintenant, c'est déjà son tour. Puis j'ai une carte. Bon, je vais expliquer comment ça fonctionne. Bon, l'automa ici, si vous voyez, son personnage principal, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller à l'usine ou de prendre un jeton rencontre. Est-ce qu'il peut prendre un jeton rencontre? Présentement, oui, il peut. Il y en a un sur son territoire. Donc, il y va. Il prend tout ce qu'il fait, c'est prendre un jeton rencontre. Il l'enlève pour moi, finalement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il m'enlève la possibilité d'avoir une rencontre. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller là. Ça fait que ce n'est pas un gros problème. Donc, il accomplit sa première action. Il en fait une des deux. Il a réussi à faire celle-là, mais il n'ira pas à elle. Il gagne 3 points. Sur l'échelle de militaire et un sou. Donc, je passe de 2 à 5. Il monte rapidement là-dessus, hein, vraiment. Le seul moyen de leur faire descendre, c'est de le combattre et de gagner si possible. Il gagne un sou. Donc, je vais aller prendre les sous, je vais les mettre plus proche. Un sou pour le tome. Et la troisième ligne, c'est l'enrouleur. Donc, si mon enrouleur d'argent, il aurait été enlevé, comme ici, là. S'il aurait été enlevé, si je l'aurais produit, ben j'aurais gagné un sou. Mais comme je ne l'ai pas, ben au début de partie, c'est ça, je ne l'ai pas, ben et voilà. Et ici, il y a un X sur l'étoile, donc il n'avance pas
sur sa piste de. Ça finit comme ça. Donc, je vous remonte la piste, comment elle est faite. Lui, avant de traverser les rivières, il faut qu'il se rende ici. Donc, tant qu'il est là, tant que son cube reste sur la première rangée, il ne peut pas traverser les rivières. Donc, il est comme pris lui aussi dans son petit bout de terrain. Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'est le tour de Thomas. C'est déjà à moi à jouer. Mon deuxième tour. Bon. Là. Là, là. Que faire? C'est sûr, je peux faire encore une action de production, ce qui est intéressant. Je peux produire deux fois de suite, que normalement les autres ne peuvent pas. Où je peux me déplacer ou payer pour avoir des ressources. Ouais, un métal, c'est pas assez. Ça coûte 4 métal pour construire un mec. Pour l'instant. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Non, je vais payer un sou pour des ressources. Donc, je prends un sou qui est ici, je le mets dans le pot. Et je vais acheter deux huiles. Parce que je pense que mon plan, c'est de m'améliorer. Fait que deux pétroles, deux huiles. Je les mets aussi qu'un ouvrier. Et l'action du bois, je ne peux pas le faire. C'est quatre bois pour construire un bâtiment. Je n'ai pas quatre bois. Ça se termine là. Donc, le prochain tour, je pense que je vais me déplacer, puis je vais pouvoir améliorer quelque chose. Puis ça va promettre le métal. Bon, je vais une petite pause, ça ne va pas trop long. Bon, c'est maintenant rendu le deuxième tour de l'automa. Qu'est-ce qu'il fait cet automa? Bon, ici, il déplace un mec. Il n'a pas de mec présentement. Il y en a, mais ils ne sont pas encore sur son territoire, sur son plateau de joueur. Ou il déplace un ouvrier. Bon, un ouvrier, comment déplacer un ouvrier? Je vais vous montrer. Un ouvrier, c'est un petit peu heureux l'ouvrier. Il va pas très proche des unités adverses. Là. Fait que l'ouvrier, bon, on le prend le plus proche de la base de tomates. Finalement, faut le placer dans des territoires valides, là, comme on voit, territoires valides, dans le voisinage de n'importe quelle unité de tomate. Donc, on peut prendre un ouvrier puis le mettre très loin. Il faut qu'il soit collé sur une autre unité de l'automate. Aucune unité adverse, évidemment, dans le territoire qui doit se déplacer. Aucun ouvrier l'automate. Bon, territoire valide, pas dans le voisinage d'unité combattante adverse. Un territoire dans le voisinage du maximum. Donc, c'est dans le voisinage qu'ils doivent être. Ici, ben, il peut pas se déplacer. Comme on l'a dit tantôt, il est pris dans ce coin-là. Il ne peut pas traverser les rivières. Donc, l'ouvrier ne peut pas se déplacer. Il est déjà au meilleur endroit qu'il peut être. Bon, deuxième ligne. Il se gagne un mec. Donc, on prend un mec de n'importe quel, de son plateau de joueur, et on le met ici sur sa base. Fait que le prochain coup qu'on aura cette action-là, ben, il va sortir de la base pour aller se promener sur le tableau. Et il gagne encore 2 points ici. Là, c'est vraiment. Je vous l'avais dit qu'il augmente très rapidement. Il est rendu à 7 déjà. Et une étoile. Il n'y a aucun bonus d'enroulement. Et une étoile. Donc, on avance de 1 sur sa piste. Et voilà le tour de l'automate. C'est à moi. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Donc, je vais déplacer un ouvrier sur le territoire qui produit du métal pour pouvoir produire éventuellement deux métaux à toutes les fois que je produis. Et je vais aussi déplacer mon personnage. Lui, il peut être. Il déplace un à la fois. Le but, c'est d'aller ici faire une rencontre. Peut-être avoir un bon bonus pour m'aider à aller plus vite dans la partie. OK, et je peux aussi faire l'action du bas, la deuxième action de mon plateau, là aussi, là, vous le montrer sans trop déplacer. Donc, bon, c'est ce qui arrive, évidemment. Je peux faire l'action ici d'améliorer. Ce que je fais quand j'améliore, c'est que je prends un cube ici en haut, il y en a 6, et je le mets en bas.
Donc, ça me donne des bonus. Mettons, si maintenant, je pourrais me déplacer au lieu de deux personnages, je pourrais me déplacer trois personnages, trois unités plutôt, et j'en mets en bas. Comme là, je vais prendre ce que je vais prendre lui, ici, qui me permet de produire sur trois territoires au lieu de deux maintenant, et je vais le mettre ici, qui fait qu'un mec va me coûter maintenant trois métal au lieu de quatre métal. Donc, je considère que ça m'aide beaucoup. Prochain coup, je vais produire et après ça, je vais être en mesure de construire un bec pour sortir de la rivière. Donc, je vais pouvoir sortir de la rivière, de mon territoire, avant l'automa, qui est déjà une très bonne chose. OK, déjà le troisième tour de l'automa, que fait-il? Bon, ici, c'est s'il est cette faction-là. C'est effectivement le cas. Donc, de temps en temps, il y a des cartes qui ont des factions spécifiques d'associés. Donc, si là, cette faction-là, son personnage recherche à aller à l'usine, il ne peut pas y aller, ou gagner un pion en compte, il peut pas, il n'y en a pas. Donc, comme c'est impossible à faire pour lui, il va se rabattre la deuxième action, qui est déplacer un ouvrier. Bon, ben, déplacer un ouvrier, il ne peut pas plus le faire que la fois précédente. Donc, il peut rien, il fait absolument rien ce tour-ci. Mais bon, s'il était cette faction-là, il gagnerait un sou, deux même. Mais là, comme il n'est pas cette faction-là, il ne gagne qu'un sou seulement. Donc, on prend un sou et on va lui donner. Aucun enrôleur et on avance de un sur sa piste. Il est maintenant rendu au troisième. Plus que. Ouais, je pense pas qu'on est capable de. S'il continue à avancer, il va sortir il va pouvoir traverser la rivière assez bientôt. Bon, mais. On verra ça le temps venu. C'est à moi et je vais produire. Donc, je produis sur trois territoires, mais j'en ai juste deux. Finalement, j'ai pas trois territoires d'occupés. C'est pas grave, ce sera pour le prochain coup. Donc, produire ici un autre ouvrier que je vais ajouter là et deux métaux parce que j'ai deux ouvriers ces territoires. Ah, là, j'ai oublié d'enlever, mais tantôt, j'ai fait une amélioration, j'ai oublié d'enlever les huiles de sur mon territoire. C'est maintenant fait. Donc, j'ai deux ouvriers sur un territoire et sur le village, et j'ai trois métaux sur la mine. Je pense que le prochain coup, on va faire un mec. OK, le tour de l'automa. Bon, il n'est pas cette faction, donc il fait encore un déplacement d'ouvriers. Il ne peut pas plus le faire. Ça fait trois fois de suite qu'il fait ça. Mais il peut pas. Ça ne lui donne absolument rien. Bon, ses gains. La deuxième ligne, c'est les gains de l'automa. Donc, il n'est pas cette faction-là. Donc, il gagne un ouvrier et un sou. Donc, en gagnant un ouvrier, on le prend sur son plateau de joueur et on l'amène sur la base. Il gagne un sou encore. Et ici, l'enrôleur, je n'ai pas d'enrôleur encore, donc ça ne me fait absolument rien. Et il avance encore. Et il est rendu au bout de la première rangée. Donc, le prochain coup qu'il avance, il pourra traverser les rivières. Bon, c'est à moi. Moi, je vais aller ici pour un sou. Ben, je n'ai cinq. Je vais prendre une change. Donc, il m'en reste quatre. Pour un sou, je vais prendre deux sur l'échelle de force. Je suis rendu à cinq. Et pour trois métaux, je prends les trois métaux. Trois métaux, je vais construire un mec. Et le mec que je fais prendre, c'est le premier du plateau de joueur parce que c'est lui qui débloque la capacité de traverser. Donc, j'ai besoin pour traverser. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. J'ai absolument besoin pour traverser les rivières. Donc, je vais prendre lui, c'est sûr. Sinon, je prends un autre. Je débloque une autre capacité, mais. À main de repos. Ben, elle pourrait m'aider. Déplacez-vous entre les villages que vous contrôlez l'usine. Les joints. Ça aussi, ça me ferait. Ça me ferait. Ouais, c'est sûr. Ça me ferait pour aller à l'usine directement. Ouais. Ouais. C'est merveilleux ça. Je n'avais pas pensé à ça. Je pourrais prendre le mec de deuxième et me déplacer entre les villages que je contrôle. Donc, je suis en contrôle présentement et l'usine. Je tombe à l'usine directement.
faut que je réfléchisse à ça. Les autres, ça ne me donne rien. Ah, je vais prendre le premier quand même parce qu'il faut que j'aille vers des fermes pour faire la nourriture pour les enrôleurs. Donc, le mec que je prends, il va toujours être déployé sur un territoire d'un ouvrier. Tu ne peux pas le mettre là. Il faut que je le mette sur un territoire qui a déjà un ouvrier. C'est les ouvriers qui déploient les mecs et construisent les bâtiments. Donc, je le mets là. Bon, quand je construis un mec, ça me donne 3 sous. Je gagne 3 sous toutes les fois que je construis un mec. Donc, je vais le prendre certainement. Et ça termine mon tour. On est rendu à l'Ottawa une fois de plus. Et oui, bon, l'Ottawa, que fait-il? Bon, là, il cherche à se battre contre un ouvrier. Bon, il n'y en a pas dans son voisinage, il ne peut pas se battre. S'il y en a un à côté de lui, oui, là, il aurait essayé de faire battre en retraite l'ouvrier. Mais bon, il ne peut pas. Encore une fois, il veut déplacer un ouvrier, mais il ne peut pas parce qu'il est encore pris dans son petit territoire. Mais le prochain coup, il va pouvoir le faire, je vous montrerai. Il gagne un ouvrier, donc on va en prendre un autre. On va le mettre ici sur sa base. Et aucun bonus. Et il en avance l'étoile de 1. Donc, si je vous résume, maintenant le cube est sur cette position-ci. Donc maintenant, il peut traverser. Donc le prochain coup qu'il déplace un ouvrier, un mec, n'importe quoi, il va pouvoir bouger ici. C'est déjà terminé pour lui. À moi, que faire? Que dois-je faire? Est-ce que je me déplace? Ouais, là, je pourrais me déplacer. Ouais, je vais me déplacer. C'est souvent ça, au début, on se déplace en produit, on se déplace en produit. Je vais me déplacer de deux unités. Je vais déplacer mon personnage principal ici. Et je vais déplacer un mec. Bon, les mecs peuvent emporter avec eux des ouvriers. C'est une capacité. Donc, le mec emporte un ouvrier avec lui, un seul. L'autre, il va rester. Ouais, j'en construis un autre plus tard. Il l'amène sur le village ici. Ou le village ici. Un ou l'autre, là. C'est vraiment important. Il peut aller un ou l'autre, là. On va aller ici. Il l'amène sur le village. Pas sur le village, mais la ferme. Donc, j'ai fait deux déplacements et j'ai un jeton rencontre. Donc, je prends le jeton rencontre, je le mets ici et je pige ma première carte rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours le fun de piger des cartes rencontres. Regardez, c'est beau. On voit des soldats là, qui font un petit feu là, sur le bord, sur un petit lac à côté d'un village, on dirait. Bon, première option qui se présente à moi. Je présente mes respects lorsqu'on traverse le campement. Probablement que c'est moi ici qui arrive avec le dos du bison, là, quelque chose. Donc, je reçois, si je paye, mais je présente mes respects lorsque je traverse le campement, je reçois 2 pétroles et 1 point de popularité. Ah, c'est intéressant, comme ça je pourrais même lui faire une autre amélioration. Est-ce que je m'assois et je m'amuse avec les troupes, puis avec une grande histoire avancée, je paye 2$ pour recevoir une amélioration. Bon, j'ai probablement 5$. Mais là, on s'entend que l'amélioration, je peux l'avoir pas avec les 2 pétroles. Où j'attaque les soldats à minuit. Je fais un peu mon traite. Je perds 2 points de popularité, je reçois 4 pétroles. Donc je ramasse tout leur pétrole. Bon, je vais pas perdre 2 points de popularité. Je vais prendre la première option, qui est avoir 2 pétroles et 1 point de popularité. Donc je passe de 2 à 3. Je vais mettre la carte ici, en dessous. Et je reçois 2 pétroles que je dois mettre. Ici, au lieu de rencontre. Bon, je les ai rencontrés là. C'est parfait. Maintenant, ben regardez, c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à ça, là, parce que là, maintenant, je peux faire l'action du bas. Je me suis déplacé, puis l'action du bas, c'est 2 pétroles. Je peux m'améliorer tout de suite. Je peux utiliser les 2 pétroles que je viens de gagner, les prendre et améliorer quelque chose. Là. On va voir. Qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que j'améliore? Peut-être le déplacement. Déplacer 3 personnes, 3 unités, mais au lieu de 2, ça me semble être pratique. Même que là, je pourrais mettre ça ici pour faire garder. Maintenant, les mecs me coûteraient seulement 2. Fait que j'ai 2 ouvriers, c'est une mine.
Je viens de les faire produire de eux, juste eux, pas toutes les fois que je les fais produire, ben j'ai assez de faire pour minerai pour me construire un mec. Donc, c'était très intéressant. Je gagne un sou pas tant que je fais une amélioration, donc un autre sou ici. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est un très bon tour, ça. OK. Motoma, ben maintenant, on sait qu'il va aller plus loin que il va sortir de son territoire. Bon, bon ici, il y a un petit X à côté d'une roue. C'est quand on prend le mode très facile, on ne joue pas cette carte. Donc, la carte, on la passe. Mais on n'est pas dans le mode très facile, on est dans le mode normal. Donc, il n'a pas cette unité-là, on n'applique pas ça. Il déplace un ouvrier. Bon, mais finalement, après tant de fois qu'il s'essaie, ça va fonctionner. On prend un ouvrier sur la base et on le déplace. Bon, ben le plus proche, on va essayer de le mettre dans le maximum d'unité de tomates, puis le plus proche d'une usine. Donc ici, si jamais là, il est voisin de deux unités, de ces deux unités. Donc il est voisin de deux, là il est voisin de deux. Ben, il y a plusieurs endroits qui peuvent être, mais comme que quand il y a une égalité comme ça, ben, on doit choisir que c'est quoi qui brise l'égalité. En cas d'égalité, ben, c'est le plus proche de l'usine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, en tout cas, le plus proche de l'usine, donc c'est là que j'ai mis. Que fait-il? Ça gagne un ouvrier et un sou, donc encore un autre ouvrier. Ça s'accumule à la base. Là. Et un autre sou. Il ramasse de l'argent vraiment rapidement, ce type. Et l'enrouleur de points de popularité, je ne l'ai pas. Et il avance encore sur sa piste. Ça continue. À un moment donné, ça va avoir un effet comme j'expliquerai, là, l'effet va faire que les cartes d'automobile vont être un peu plus ardues. Bon, moi, je suis rendu là. Je pense que je vais produire parce que construire un autre mec, ça m'intéresse. Puis aussi la nourriture. Donc, je fais l'action de production. Maintenant, l'action de production, elle me coûte un point de force militaire. Si vous voyez ici. Bon, je fais tomber mon mot. À toute fois que je produis, ça me coûte. Ici, on voit un sigle de force militaire. Ça me coûte un. Faut que plus. Puis ici, on va plus loin. Quand je produis, ça me coûte un point de popularité. Donc, à mesure, plus qu'on a d'ouvriers sur le jeu, plus que ça nous pénalise avec les points, ce qu'on peut faire. La production, elle nous coûte un peu plus. C'est pas juste, elle nous coûte. Là, me coûte un point. Donc, je vais prendre le point qui est ici. Je descends dans un. Je produis sur trois territoires. Donc, je produis deux métaux là, je produis le deuxième territoire, ça va être une nourriture ici, et le troisième territoire, ça va être un autre ouvrier ici. Bon, là, je pense que je ne produirai plus d'ouvriers parce que le prochain coup, je produis un ouvrier, je l'enlève, ça me coûte un point de popularité à chaque fois que je produis, puis comme les points de popularité sont assez difficiles à obtenir, là, si je veux me rendre en haut de 13, c'est pas une bonne idée là, que ça me coûte de popularité à chaque fois que je produis. Deuxième action, l'action du bois, je peux pas, c'est trop nourriture pour un enrouleur, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, je vais être capable bientôt de le faire. C'est tout ce que je peux faire pour ce tour. Là, Thomas, lui, bon, encore une carte là, du mode très facile. Lui, déplace un ouvrier encore. Bon, il y en a sur sa base, il y en a deux, fait qu'on peut en prendre un. Lui, le Thomas, il peut aller sur les lacs. Comme moi, je ne peux pas y aller, mais lui, il peut. Donc, le plus proche de l'usine, dans le voisinage, le maximum d'unités de. Donc, ici, il est voisin de deux unités. Il y a beaucoup de. Là aussi. Mais bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il est le plus proche de l'usine. Donc, il se met là. C'est sûr, j'aurais eu une unité ici. Là, mettons que mon personnage arrêtait ici, bien, il ne serait pas venu là parce qu'il ne peut pas se déplacer à côté d'une unité adverse. Donc, c'est son mouvement. Et c'est pas cette territoire. Il n'est pas cette faction-là. Oh, puis il se gagne une carte combat. Là, je pense que je n'ai pas pris ces cartes combat au début. Je vois que sur son plateau de faction, il y a trois cartes combat. Donc, je les prends pour lui. J'aurais dû faire ça au début.
Là, je le fais. Plus une. Donc, il y avait des trois cartes du début. Les trois cartes du début, plus une qui vient de gagner ici. Et voilà. Et l'enrouleur, ben, c'est l'enrouleur des cartes de combat, mais je ne l'ai pas. Il n'avance pas, c'est une étoile, c'est parfait. Sur sa piste, il n'avance pas. C'est très bien. Bon, on commence avec moi. Ben, ça, je peux faire deux fois la même action, mais là, je vais construire un autre mec, c'est intéressant. Donc, je vais me prendre ici l'action, je paye un sou pour avoir deux points de force militaire, donc je passe de 4 à 6, et je prends deux métaux pour me construire un mec. Bon, l'autre mec que je vais prendre, le deuxième qui m'intéresse, si je vous montre mon plateau de joueur, une autre faction plutôt, c'est celui-là, parce que maintenant, avec mes mecs et mon personnage, quand je me déplace, je me déplace sur deux territoires au lieu de un territoire. Donc, c'est aussi très pratique. Donc, je vais le mettre ici. Et je gagne 3 sous quand je construis le mec. Bon, ben là, j'ai mes deux mecs. C'est déjà pas mal bon. C'est sûr que le but, c'est d'en avoir 4, mais je vais pouvoir aussi... je pense me focusser sur mes enrouleurs. Parce que aussi, c'est très. Moi, je trouve j'aime bien la stratégie d'avoir mes 4 enrouleurs assez rapidement. Ça me fait des bonus ici, puis sur mon plateau de faction. Puis aussi, quand que le tomate sur des 4, ça me fait des bonus. En tout cas, c'est ma stratégie. Maintenant, le tomate, une fois de plus. Bon, il n'est pas cette faction-là, donc on l'oublie. Ok, maintenant, son personnage principal va sur lui. Va sur l'usine ou un pion rencontre. Ben, il est capable d'aller sur l'usine. Il le peut, puisqu'il y a un ouvrier ici. Donc, il va le faire. Il va se déplacer là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il prend une carte au hasard. Il m'enlève une carte, finalement. Fait que, pigeon, la carte laquelle? On l'enlève. Bon, celle-là. Donc, il m'a enlevé cette carte-là. Donc, moi, je pourrais pas la prendre. J'aurais aimé ça la prendre peut-être. Donc cette carte-là, une carte usine, ce qui se passe avec ça, c'est comme une cinquième action, une cinquième option sur notre plateau de joueur. On la met à côté du plateau de joueur. Fait qu'il y a une action du dessus et une action du bas. L'action du bas, c'est toujours la même. Fait que donc, pour payer un point de popularité, je gagne un mec ou un bâtiment. C'est assez puissant d'habiter carte usine. Ça nous coûte quelque chose, mais on a vraiment de quoi en retour assez impressionnant. Et après ça, on se déplace de deux cases, un personnage, pas deux, là. Un personnage de deux cases, mais comme j'ai l'option vitesse, je me déplacerai de trois cases. Mais là, cette carte-là, c'est pas moi qui l'a, c'est l'Otama, mais lui, il fera rien avec, il faut juste me l'enlever, finalement. Donc, il est sur l'usine, c'est là qu'il est allé, il gagne un sou, un autre sou encore, ça s'additionne, et il avance une fois encore sur sa piste. Bon. C'est à moi. Là, je vois qu'il s'approche. On est comme plus qu'un hexagone entre nous deux. Que faire? Est-ce que je produis encore ou je me déplace? Déplace vers les villages ou vers les fermes? Ouais, je vais me déplacer, vous allez voir. Je vais me déplacer. Donc, je peux me déplacer de deux cases maintenant. À cause de mon mec de vitesse. Donc, je vais faire lui en premier. 1, 2, pour faire une rencontre. Donc, je me déplace vers des villages, si j'ai le droit. Deuxième hexagone. Lui va prendre les deux ouvriers qu'elle a, va les amener ici sur la ferme. Même que... Ben, c'est deux fermes d'un côté de l'autre, hein. Fait que... Mais, OK, pour un déplacement, il amène les deux ouvriers sur la ferme, puis pour son deuxième déplacement, il va rejoindre l'autre mec, puis il amène aussi un ouvrier avec lui. Donc, un ouvrier reste en arrière sur cette ferme. Ici, il y a deux mecs, puis deux ouvriers. Et pour mon troisième déplacement, ça va être lui qui va se déplacer avec un ouvrier ici. Ouais. Pas mal, c'est toujours intéressant. J'ai trop de déplacements.
Je pourrais même aller plus loin, mais tu sais, je peux aller deux avec lui, mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas me rapprocher nécessairement de lui là, pour l'instant. Comme si lui, il ne peut pas aller là, là pour l'instant. Parce que tant qu'il n'y a pas d'unité à côté de cet hexagone, il ne peut pas aller là, là. Donc, je suis protégé dans un sens, là, pour l'instant. OK, je me suis déplacé. Je peux pas faire la deuxième action qui est l'amélioration parce que j'ai pas d'huile, j'ai pas de pétrole, mais je peux faire une rencontre. Donc, je suis arrivé sur un... Je vais peut-être en avoir, si jamais, cette carte-là. Ce serait vraiment la chance. OK, j'arrive dans un genre d'enclos de sangliers. Bon, que puis-je faire? Soit j'abats un sanglier et je fais un petit déjeuner au bacon. Donc, deux nourritures et un point de popularité. J'éloigne les sangliers du village. OK, parce que les sangliers n'ont pas d'affaire là, finalement. Donc, j'éloigne les sangliers. Je paye 2 $ pour recevoir 3 ressources au choix. Ça aussi, c'est bon. Ou j'attire les sangliers dans le village sans défense. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vrai, c'est pas gentil. Là. La troisième option, d'habitude, là, c'est tu fais un peu le méchant, là. Je perds 2 points de popularité pour recevoir un ouvrier, 3 bois. Ouais, c'est ça. Si il cause un carnage dans le village, je gagne un ouvrier, comme si que je kidnappais un ouvrier, puis je gagne le bois. J'abats des arbres. Je vais prendre les 2 $ pour recevoir 3 ressources au choix. Parce que dans ces ressources-là, vous devinerez que je vais prendre du pétrole. Donc 2 $, je prends un 3 et il me revient 1. 2 huiles, pétrole, huile, c'est la même chose. Et la troisième, ça va être du bois ou de la nourriture. Je vais avoir trop. Le prochain coup, je vais avoir trop de nourriture. Je vais avoir des métaux. Je vais aller avec du bois. Bon, il faut que je les mette puisque la rencontre a eu lieu. Donc, je peux faire l'action du bois qui est de faire l'amélioration pour mes 2 huiles. 2 fois de suite que je peux faire ça à cause des rencontres, ça m'aide vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comme que, ouais, je vais prendre, bon, là, j'enlève cette espion-là ici. Je vais prendre l'option aussi, quand je paye un sou, pour gagner de la force militaire, j'en gagne maintenant, au lieu d'en gagner 2, j'en gagne 3. Et je vais le mettre ici que les bâtiments vont me coûter 3 bois. Parce que 3 bois ou ça? Plutôt les enrôleurs vont me coûter 2 nourritures. Vont me coûter moins. Je vais pouvoir les faire plus rapidement. Je vous avais dit que c'est important, donc c'est ça. Bon. OK. C'était productif, je pense, jusqu'à date, là, mes actions de déplacement combinées aux rencontres, là, ça me donne des bonnes choses. Bon, c'est là, Thomas. Il va sûrement venir jouer dans mes pattes bientôt. Là, Thomas déplace un ouvrier. Je pense que ça fait vraiment beaucoup de fois qu'on l'a, celui-là. Bon, mais ben, lui, vient, c'est pas compliqué. Il en reste un ouvrier sur la barre, on le prend. Il va directement ici, puisqu'ici, dans le voisinage de 4 unités. C'est rare que ça arrive, là. Donc, c'est le seul hexagone qui est comme ça. C'est sûr qu'il va là. Bon, il gagne 2 points de force. Il passe à 9. Aucun enrôlement. Et il avance d'un sur sa piste. Il est rendu, il est au bout de la deuxième rangée. Ça va vite. Bon, vous voyez, les tours de Thomas, ça s'essuie quand on connaît ses déplacements et les mécanismes qui vont avec ça. OK, c'est encore à moi. Ben, c'est moi. Donc, je disais, je vais produire, faire un. OK, c'est ça. Je vais retourner produire. Ça me coûte 1 en force militaire, donc je tombe à 5. Sur 3 territoires. Bon, je vais faire des métaux ici. Je vais faire une nourriture ici. Et. Ouais, j'aurais pas dû le laisser là, lui, finalement. C'est bizarre. Oups. Et un bois ici. Bon, j'ai produit sur 3 territoires. Maintenant, je peux produire un enrôleur pour 2 nourritures, ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je vais faire?
Je vais prendre l'enrouleur, parce que le prochain coup, ça va être un mec. Donc, je prends l'enrouleur qui est ici, là, sur le mec. Comme ça, quand je vois que j'en serai un mec, ça va me donner 4 sous au lieu de 3. Et ce que je vais faire avec encore mon petit pion, un petit moulin qui est tombé à terre maintenant. Avec cet enrouleur, je vais le placer, vous voyez, ici, pour ramasser 2 points de popularité. Touk! Donc, ça me fait ça. Tout de suite, j'applique le bonus, je monte de 3 à 5. Plus que 2, et je passe à l'autre échelle. Bon, j'ai fait ça, ça me donne 2 sous parce que quand il faut que je fais un amélioration, que je fais un enroulement, je gagne 2 sous. Ok, ça se termine pour moi. Là, Thomas. Bon, et pour, c'est assez rempli cette première ligne-là. Bon, il n'y a pas cette faction-là, donc on oublie ça. Bon, le personnage principal veut aller sur l'usine où un pion rencontre. Il est déjà sur l'usine, mais il a accès à un pion rencontre, donc il va y aller. Il va aller ici, puis il va aller enlever ça. On le met où? On le met là. Et voilà, il a fait ça. Il gagne un point en force militaire et un ouvrier. On prend son ouvrier, on en a un autre là. Force militaire est rendu à 10. Et l'enrouleur de force militaire, je ne l'ai pas. Moi, j'ai lui de l'argent, donc je ne fais rien. Il avance de 1 sur sa piste. Et plus que 1, et les 4 vont tomber au niveau 2. Je vous explique quand ça va arriver. Bon, je pourrais construire un mec maintenant. Un troisième. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je paye 1 sou pour... Pour prendre 3 points de force militaire, je m'en vais à 8. Et là-dessus, pour 2 métaux, les 2 métaux qui sont là, je vais construire un mec, mon troisième. Et je vais le mettre... est-ce que je continue le 10 métal? 10 métal, voici. Si je veux 10 métal, je vais pouvoir sortir de là, je crois. Ouais. Je vais mettre ici pour pouvoir partir avec ces ouvriers-là ou... Non, je vais mettre ici. Bon. Décidé, finalement. Et je gagne 4 sous en me construisant ce mec-là. C'est merveilleux. Donc, j'ai 9 et 4, 13. Et 13 sous dans ma réserve. Bon. C'est tout pour moi. Là, Thomas. OK, il va se passer des choses là. Bon, là, Thomas, encore une fois, le personnage principal qui va aller vers un pion en compte ou vers l'usine, ben il retourne vers l'usine. Puisqu'il n'y a aucun pion en... Ah, ben oui, il peut aller là. Il peut aller, mais je crois que c'est l'usine. Il privilégie toujours l'usine. On voit ici, là, l'usine est en haut, c'est en premier. Donc, il retourne à l'usine. Ici, il gagne un ouvrier et un sou. Encore. Un au-dessous. Un ouvrier. Il est presque tout mis dans sa base. Là. Aucun enroulement et il avance de 1 sur la piste. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il avance de 1 sur la piste. Maintenant, il atteint ce stade où on voit un 2 et une étoile pleine en dessous. Donc, il est rendu là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, il se gagne une étoile. Donc, on prend une étoile et on la place à côté, là, parce qu'il n'y a pas de... Sur la piste des étoiles, il n'y a rien pour lui, là, on fait juste la mettre à côté, là, la piste, donc. 1. Et les 4, maintenant, si vous voyez, là, il y a le côté 1 et 2, on les tourne comme ça. Comme ça, ce qui arrive, c'est que, au lieu d'être la portion verte qu'on va faire maintenant, ça va être la portion... orange là qui va être appliqué là. Donc c'est toujours ça rehausse les nouveaux difficultés un petit peu. Ça se termine pour l'automa. Bon, c'est à moi de choisir.
Ce serait bien construire des bâtiments aussi, là. Des bâtiments. Ouais, je pense que je vais construire un bâtiment. Regardez bien ça. Je vais aller payer un sou pour avoir deux ressources, n'importe quelle. Ça va être deux bois. Je les mets ici, là. L'important, je les mets où il y a un ouvrier. Et après ça, je prends, ça me coûte quatre bois pour construire un bâtiment. Là, je reprends les quatre des trois bois qui sont là, plus le bois qui est ici. Donc, quatre bois. Et je vais construire un moulin. Un moulin qui est ici, que je le mets où est-ce qu'elle bouffe. Où est-ce qu'elle boit? Ici, il faut toujours construire où est-ce qu'il y a un ouvrier, le dépôt où est-ce qu'il y a un ouvrier. Donc, je le mets. Donc, à chaque fois que je vais produire, bien, lui, le moulin va produire. Je produis sur trois territoires, puis le moulin produit toujours. Le moulin, il reste là, il est fixe, il ne peut pas le déplacer. Donc, j'ai toujours du bois qui va arriver avec ça. Donc, c'est tout ce que je peux faire. Ça ne me donne absolument aucun bonus de construire des bâtiments. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai construit sur une mine. Donc, ça me, déjà, en fin de partie, ben, je vais avoir deux sous parce que j'ai un bâtiment sur une mine. Ça, c'est très bon. Là, Thomas. Bon, première. Bon, s'il a 5 de puissance militaire, oui, il a 10, il veut se battre. Ben, il ne peut pas se battre parce que j'ai pas d'unité adjacente. S'il serait ici, oui, là, il se battrait, là, ou ici, là, ou là, là, là. Mais bon, vous comprenez, là, que j'ai, il y a un fossé entre nous, on va dire. Donc, il ne peut pas se battre. Il ne peut pas plus se battre contre un ouvrier. Il peut déplacer un mec, par exemple. Bon, premier mec qu'il déplace. Lui, le mec, là, lui, il veut se battre. Il va se mettre le plus proche possible d'une unité adverse. Donc, il va se mettre. Il peut se mettre là ou là. Je ne sais pas lequel des deux. Là. Je vais aller voir sur la carte déplacement non offensif de Mecha. En territoire valide, au plus proche d'unité combattante adverse. En cas d'égalité, le plus proche de l'usine sans électure. Donc, le plus proche de l'usine sans électure. Les deux sont proches de l'usine, mais sans électure, c'est lui. Et lui, il est plus à gauche, un peu. Hein. Donc, il se met là. Donc, on a un mec qui vient se pointer devant nous puis nous menacer. Bon, là, ici, il se gagne un mec et un sou. Donc, on prend un autre mec de sa base. Vous voyez, là, c'est un autre niveau, les cartes d'Ottawa, là. C'est vraiment pas du tout la même chose qu'au. Aucun bonus d'enrôlement et il avance de 1. Bon, ben, continue à faire son petit chemin. Là, les étoiles, si vous voyez la carte, là, bientôt, là, après ça, quand il va arriver ici, là, ils vont s'accumuler rapidement, les étoiles. Il faut faire attention. Fait que peut-être que je vais vouloir me battre contre lui, parce que me battre. J'ai des cannes puissantes, j'ai des 5. Je pourrais remporter le combat. Gagner une étoile. Je pense que ça pourrait être intéressant de se battre contre lui, finalement. Est-ce que je vais me battre tout de suite? Présentement, j'ai pas de ressources sur le jeu. Donc, c'est sûr, je peux produire puis après ça, faire un autre enrôleur. Ça peut être possible. Mais si je me bats, lui, il se prend. Ouais. Toujours risqué de se battre, là. Mais je pense que je n'aurai pas le choix parce qu'il va venir éventuellement le faire contre moi. Je ne peux pas me paimer, tu sais. Pas mon but, c'est pas de me cacher, de me sauver de lui. Donc, je pense que je vais initier les hostilités. Bon, pour se battre, il faut se déplacer. Faut se déplacer sur un de ses territoires. Donc, je vais me déplacer. Quel personnage? Je vais attaquer avec un mec. Bon. Lequel mec que ça va être, par exemple? Lequel? Ben, je ne peux pas aller là, premièrement. C'est vrai, c'est un lac. Je ne peux pas aller me battre sur un lac. Je vais me battre contre son personnage. Tiens, tiens, tiens. C'est ça que je vais faire. Je vais aller 1, 2. Il est un peu entre les deux, là. Ça veut dire que je vais me battre quand je vais terminer mon déplacement. Lui va venir se mettre ici, protéger l'ouvrier qui est là.
Je pourrais me battre avec deux mecs aussi, hein? Mais je peux pas parce qu'il arrête là, il va pas là. Mais quand tu bats avec deux mecs, je pense que t'as deux cartes de combat que tu peux mettre là. Mais bon, je peux pas pour l'instant. Lui, il va aller. Il va emporter le vrai avec lui ici. Un. Puis il va venir le rejoindre l'autre ici, là. Donc j'ai deux mecs qui l'attendent. Je le défie de venir me voir. Donc j'ai fait deux déplacements avec mes mecs. Mon personnage principal, lui aussi va se déplacer, mais il va faire des cartes, il va faire des rencontres. Un, deux. Ouais, c'est ça, j'aurais pu faire un. J'aurais pu me passer par un tunnel, mais ça ne m'a rien donné de plus là, pour arriver là. OK, fait que je me mets là. Prochain coup, je ferai des rencontres. Je lui ai dit de me déplacer. Un peu, je vais mettre. Je n'ai pas d'huile pour faire une amélioration. Ça s'arrête là. Donc, le combat. Et voilà, le premier combat du match. Comment que ça se passe, les combats? Bon, regardez. Voici la roulette de combat qui a numéroté de 0 à 7. Donc, je prends jusqu'à 7 points maximum de ma piste de puissance militaire. À cela, j'additionne une carte combat. Je vais prendre la plus haute, évidemment. Je la mets ici. J'ai maintenant 5. Plus quoi? Je vais mettre le maximum. Maximum 12. Donc là, donc 12. Donc je vais prendre les points que j'ai pris. Là, 7. Je vais descendre de 7. Parce que ça, le désavantage, c'est que les points, j'utilise mes roulettes, je les enlève de ma piste. Là, Thomas, comment que lui, il va décider de son calcul pour se battre? Ben, on prend la première carte du deck et on regarde ici. Bon. Ici, là, lui, il est à 10. Donc, s'il est à 10, là, on regarde, il est en 8 et 10, il est en 8 et 13, il prend 7 points, vous voyez? Et ici, des fois, on voit, des fois, il y a des cycles de cartes combat. C'est-à-dire qu'il y en a un, des fois, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il prend une carte combat de plus. Donc, il n'en prend pas ce tour-là. Il y a juste son pointage de puissance militaire. Une autre carte qu'on voit ici, là. Vous voyez, il y a 7, puis on voit une carte combat, c'est qu'il a pris une carte combat. Lui, il en a 4 dans sa main. Il y a 4 cartes combat, mais il ne peut pas en prendre aucune. Donc, c'est un avantage. Donc, 7 étant son total, on enlève 7, donc il tombe à 3. Mais je remporte le combat parce que j'ai 12. C'est aussi simple que ça. Moi, ben, après ma carte de combat que j'ai utilisée, je la mets dans la défausse ici. Et je gagne une étoile. Je place une étoile pour avoir gagné un combat. Je la mets sur la piste d'étoiles sur le combat. Je la mets ici. Là, je garde mes objectifs. Là, ce que je peux en faire, hein. Contrôler un territoire avec un personnage, un méca, un ouvrier, au moins 5 ressources. Non, je ne suis pas là, pas du tout. 7 en puissance et forcé. Ok, bon, je n'ai pas encore fait ça. Ok, donc les cartes objectifs ne sont pas. Je ne suis pas proche d'accomplir ça du tout. Mais j'ai gagné mon combat. Je me suis déplacé, j'ai gagné mon combat. C'est parfait. Un peu. Lui, elle est ici. Bon. Donc, son personnage, en ce temps, moi mon mec arrive sur l'usine, puis son personnage à lui, ben, il retourne pas à la base. Il retourne sur le plateau de joueurs. Ah non, c'est les mecs, mais lui retourne là. Bon. Les mecs retournent. Les mecs, les ouvriers, quand ils dégagent, ben, ils se retournent sur le plateau de joueurs. Mais c'est pas le cas pour le personnage. Donc, le personnage est à la base, on s'en est débarrassé. Tu vois, son mec est tout seul maintenant, là. Il fait un peu pitié. Mais il est protégé, il est dans un lac, je peux même pas aller l'attaquer. OK, ça a terminé mon tour. Donc, c'est au tour de Thomas. OK. Est-ce qu'il y a 8 en puissance militaire? Non, il vient de descendre assez drastiquement, donc il ne fait pas ça. Déplace un ouvrier. Bon, on prend un autre ouvrier.
Là, évidemment, il n'ira pas se mettre là parce que c'est dans le voisinage d'une unité adverse, il ne veut pas aller là. Ici, dans le voisinage de 2, 2. Le plus proche, là, le plus proche sans que ce soit un, trop un danger pour lui, là, ça serait ici. Non, il ne peut pas parce que j'ai lui qui est. Ben, il pourrait, là, j'ai 2. Bon, ça, c'est là qu'il se met. Parce qu'il est plus proche de l'usine. Il est en voisinage de 2. S'il va de 2, il est toujours dans le voisinage de 2 unités. Là. Donc, là, c'est le plus proche de l'usine qui peut se placer. Donc, là, c'est sa place pour l'ouvrier. Bon, après ça, il se gagne un sou et un autre ouvrier. Bon, le dernier ouvrier, il est rendu là. Et un sou. Bon, lui, il est rendu pas mal de sous. Là. Regardez, là. Juste un petit calcul, là. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un petit échange. Question de revoir des sous dans la banque. Et l'enrouleur de points de popularité, je ne l'ai pas, malheureusement. Et il n'avance pas d'étoiles. Donc, ça, c'est bon. Pas d'étoiles. Je vais toujours prendre ça. Bon, ben, j'ai gagné un combat. C'est le fun. Je pourrais en faire un autre. Mais non, je ne pourrais pas en faire un autre. J'ai un. Ce serait suicidaire, là. Donc, mais j'occupe l'usine. Mais c'est pas mon personnage. Malheureusement, ce sera mon personnage qui soit là pour prendre les cartes usine. Bon, mais je pense que je vais produire pour faire un autre enrouleur. Donc, je viens ici. Je produis, donc, je tombe à zéro. Je produis sur 3 territoires. Donc, 2 nourritures là. 2 métaux là et 2 bois ici. Bon, c'est pas pire là. Après mes métaux, là, je vais terminer, je vais pouvoir aller à une place qui a du pétrole puis focusser sur le pétrole. C'est mon étape production. Maintenant, je peux faire l'étape. Le moulin. Le moulin, ouais, il est produit. Il y en a 2 bois. OK. Je l'étape en rouleur, donc 2 nourritures. Je prends un enrouleur. Je vais prendre lui de. Je vais prendre lui de. Je vais prendre lui ici, là. Si je monte, là. Lui ici, puisque ça me permet. Si je peux me permettre. Oups. Bon, c'est pas ça. Ça me permet de gagner des points de popularité. OK. Donc, je vais remettre la mine qui est tombée. Voilà, je vous montrerai ça. Bon, l'enrouleur, je le prends et je le mets sur les points de popularité. Ça fait un bonus de 2. Je remonte à 2. OK. Et je gagne 2 sous parce que c'est ça que ça me fait gagner quand que je fais un enrouleur. Bon, c'était Thomas. Oh, Thomas! Il n'est pas cette faction-là, on oublie ça. Déplace un mec, déplacement non offensif. Donc, prends le mec qui est là. Il va l'amener ici. Oh, il pourrait l'amener là. Est-ce que c'est le maximum? Au plus proche d'une unité combattante adverse. Territoire valide. Ouais. Ouais, comme ça peut être là ou là, ça peut être là, ça peut même être ici, hein. C'est dur à dire, hein. Il peut, mais c'est proche de l'usine, dans le sens de lecture, fait que j'ai 2 territoires. Bon, c'est de haut en bas après ça, je pense. Donc, je le mets là. Ça va supporter celui-là, finalement. Il va se trouver moins isolé. Bon, après ça, il gagne un sou et un mec. Donc, on met un sou encore. Et l'enrouleur des. Bon, celui-là, je l'ai. Donc, maintenant, je gagne un sou parce que j'ai cet enrouleur-là. Enfin, ça me rapporte. Il avance d'une étoile. Il est rendu au bout de la troisième rangée. La moitié du chemin est fait, on peut dire que la moitié de la partie est passée, puisqu'il y a 6 rangées, ben pas tout à fait, 5 et demi, puis je suis rendu au bout de la troisième, donc un petit peu plus que la moitié de la partie qui est passée.
OK, bon, que je fais? Que faire? Je me déplace, que je fais des rencontres, ça peut être intéressant. Mais déplacer, je parle, j'ai pas d'huile. Je parle de me construire mon dernier mec sans faire une étoile. Moi aussi, je vais faire. Pour un sou, je monte de 3 en force militaire, je passe à 5, je le dépasse, c'est merveilleux. Et pour 2 métaux, je construis mon dernier mec que je vais mettre avec ces 2 ouvriers-là pour pouvoir me déplacer. Et ça me donne 4 sous. Et ça me permet aussi de mettre une étoile sur la piste des étoiles où est-ce que quand je construis 4 mecs. OK, ben j'ai 2 étoiles à poser. Notamment une. J'ai complété mon tour, c'est à lui. Il n'est pas cette faction, on oublie ça. Bon, son personnage veut se déplacer vers l'usine où. Mais c'est pas. Ouais. N'oublie pas parce qu'il n'est pas en jeu, il est sur sa base. Finalement, c'est pas ça qui compte, c'est lui qui est là, là. Le personnage qui se déplace. Non, un personnage non offensif, on le voit, ça, c'est le petit aussi, c'est son personnage. Déplacement non offensif. Donc, on le prend et on va le mettre ici. Ouais. Plus proche de l'usine, dans le voisinage des unités adverses, il est bien là, lui. Gagne 3 points de force militaire et un ouvrier. Il n'y a plus d'ouvriers à gagner, ils sont tous sur la base. L'enrôleur des cartes de combat, je ne l'ai pas. Il avance une étoile. Bon, venez, c'est point. Ses points, il passe à 6, il me repasse. Avance d'une étoile. Plus que 2, il va gagner une étoile sur la piste des étoiles. OK. Bon. Et là, cette bloche pourrait me déplacer, mais loin. Si j'aurais des ressources, je pourrais construire un autre bâtiment. Non, mais je pense à me déplacer là maintenant. Là. Ouais. C'est ça. Je vais me déplacer. Oups. Sur 3 territoires, 3 par 3 unités. Donc, 1, 2. Je m'éloigne de lui, là, finalement. Lui, le mec qui se déplace avec ses ouvriers sur un territoire, puis sur son deuxième, il peut se traverser les rivières vers des villages. C'est ce qu'il va faire ici. Ça, c'est mon deuxième mouvement. Est-ce que je déplace un autre mec? Ou les ouvriers? Là, ouais. Est-ce que je fais un autre déplacement? Bof. Bof. Bof, bof, bof. Genre, je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais faire juste 2 déplacements. Bon, mais j'ai un jeton rencontre. Je vais le prendre. Ma troisième rencontre. Est-ce que je vais avoir du pétrole encore cette fois-ci? Ça serait vraiment un coup de chance encore. Bon, on a une mine avec un. Ouais, c'est l'entrée d'une mine avec une poulie, là. Bon, on peut offrir nos conseils pour réparer la poulie brisée de la mine désaffectée. 2 $, on reçoit dehors et un point de popularité. On peut marchander du minerai auprès du propriétaire de la mine, payer 2 $ pour recevoir 4 métaux. Ça m'intéresse pas du tout. Ou je peux briser la vieille poulie sans hésitation, perdre 2 points de popularité et construire un bâtiment. Ben, ouais, j'aurais mieux avoir des ressources, là, mais bon, ben c'est les métaux, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire la première option, recevez 2 $ et un point de popularité. OK. Un point, puis je suis rendu à 6. Et 2 $. Je vais me prendre 3, puis je vais m'enlever un sou. Ça me fait 2. Donc, je ne peux pas faire l'action du bois qui est d'amélioration. J'ai pas de pétrole. Et voilà, c'est le tour de Thomas. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est à 7 de puissance? Non. Donc, s'il arrêtait à 7, là, il serait battu contre moi. Mais là, il est à 6. Donc, heureusement, il n'y a pas de combat.
Il cherche à faire battre en retraite un ouvrier, ben il peut pas, là, parce que ici, l'ouvrier, là, il est protégé, là. Donc, il ne peut pas faire ça non plus. Donc, il fait un déplacement non offensif d'un mec. Bon, il en reste un. Ici, il va le mettre là. Ouais, il peut le mettre là. Vous voyez, là, c'est vraiment la confrontation, là, mais. Oh, là, il gagne 3 points de puissance militaire. C'est sûr que là, il est prêt pour se battre, là. Il tombe à 9. Donc, ce serait moi aussi de. Et là, en haut, là, le point de popularité, je l'ai, ça me fait un point de popularité. Je passe à 7, donc un niveau supérieur qui me permet d'avoir plus d'argent à la fin de partie. Ça, c'est parfait. Et une étoile sur la piste, ces étoiles, il est rendu un plus. Prochain coup qui avance, il place une étoile sur en haut. OK. Bon, ben. Il est vraiment après moi, là, le tomate, là. Vraiment. Que faire? Que faire? Est-ce que je veux construire un bâtiment? Ouais, je vais essayer de construire un bâtiment. Okay. Je vais aller ici, je vais payer 1$ pour deux ressources, n'importe lesquelles, ça va être deux bois. Puis pour quatre bois. Donc, 4 bois, je vais construire un bâtiment. Je vais construire. Construire quoi? Construire l'arsenal, je vais le mettre ici sur une mine, sur la mine. Ça me fait. Voilà, je peux parce qu'il y a des ouvriers. Quand je construis, je gagne un point de popularité. Je vais le prendre, je tombe à 8. C'est tout! À Thomas maintenant. Il n'est pas cette faction-là, on oublie ça. Déplacement non offensif de mecha. Bon, ben. Tous ces mechas, ben, sauf un qui sont pas trop joueurs, sont là. Peut pas vraiment faire déplacer. Ils sont comme pas mal placés où ce qu'ils doivent être. Ça peut pas reculer. Se mettre là. Non, parce que dans le sens de lecture, ils sont déjà tous. Placer assez des positions assez confrontantes, donc il n'y a rien d'amélioration à faire à ce niveau-là pour eux. Donc c'est comme une action qui est perdue pour lui, là. Il se gagne une carte de combat, un sou et un mec. Bon, mais il reste un mec. On va le mettre là. Un sou et une carte de combat que je vais aller lui chercher. Et voilà, maintenant il y en a en masse, il y en a 5, je pense. Là, si ce qu'on se bat le prochain coup, je risque d'être dégoûté. Là. Bon, l'enrouleur de je ne l'ai pas, l'enrouleur, cet enrouleur-là. Il avance de 1. Maintenant, il avance, c'est sur une case qui contient une étoile pleine. Donc, on met une autre de ses étoiles. Non, ça c'est la mienne plutôt. Ses étoiles à lui sur la piste ici. Bon, mais il y en a deux, j'en ai deux. Moi maintenant. Ça, je pourrais me déplacer, faire des rencontres encore. Ouais, je vais me déplacer parce que je veux faire du pétrole maintenant, là. Je vais me déplacer. OK, lui, il va aller là. J'ai dit sur des fermes. Un, deux, six. Non, je ne vais pas aller là. Je vais aller ici. Un. Lui, il prend ses deux ouvriers. Ils amènent un, deux, ici. On va aller faire sortir du pétrole. Ça fait deux déplacements. Là, après ça, je vais produire. Ouais, je vais produire. Ouais. Pas sûr de prochain combat, je suis pas sûr de la gagner, hein, je vous le dis là. Vraiment pas sûr. Que faire? Est-ce que j'ai une bonne retraite de l'usine? Anyway, de toute façon, j'ai lui qui est à côté, je dirais là. Il va pas, il veut, s'il veut se battre, il y a plein de place.
Donc, j'ai dit quoi donc que je me déplaçais? C'est là le déplacer, bon. Ok, je fais une rencontre. Espérons que ça va être une rencontre fructueuse. Ok, genre de chant avec un mec qui est en réparation, là. Je peux aider l'infirmier anxieux à trouver la pièce manquante de son make-up, recevoir 2 $ et un peu de popularité, convaincre la famille de vous vendre sa carcasse à bon prix, encore 2 $ pour 4 métaux. J'en veux pas de métaux. Oh là là, voler le tout nouveau make-up, il faut terminer. Payer 3 points de popularité pour déployer un make-up, mais les deux options en bas ne me sont pas utiles du tout. Donc, encore une fois, la première, c'est mieux que rien. Mais j'aurais mis de quoi de différent quand même. Ben, point de popularité, puis 2 $. Bon. Je l'ai rendu à 9. C'est sûr que si je monte à 13, là, ça me donne une option sérieuse à la victoire parce que je vais vraiment avoir beaucoup de modificateurs. Je vais prendre 3, puis je vais m'enlever 1 pour faire 2. Ok, j'ai pas de pétrole, donc je peux pas faire d'amélioration. Il va l'avoir le prochain coup, je vous dis. À moins qu'il se bat et qu'il me jette, là. Espérons que non. Espérons que non. Bon, est-ce qu'il laisse cette faction-là? Oui, il laisse cette faction. Donc, va sur un pion rencontre. Le personnage va sur un pion rencontre. Il va aller sur lui, ici. C'est lui qui... Parce que lui, il ne peut pas y aller. Lui, il peut y aller. Bon, mais pas de combat, toujours ça. 3 points de puissance et un ouvrier. Bon, 3 points de puissance, il se tombe à 12. C'est beaucoup. L'envoleur de points de popularité, je l'ai, donc je passe à 10. Ah, ça, c'est bon. C'est très bien. Et la montre d'une étoile. Bon, mais j'ai atteint, j'ai passé toutes les cartes de Thomas, donc on va les brasser. Le deck est passé. La partie achève, là. Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Peut-être moins 5. S'il remporte un combat ou s'il atteint le maximum, l'échelle des points. Fait que 4 ou 5 tours et ça termine la partie. Ouais. Je suis pas sûr que je vais gagner ça, là. Faut absolument, je pense que je passe ma popularité à 13. Puis que je place d'autres étoiles. J'en ai juste deux faits là. Bon, ben, c'est à moi, puis j'ai dit que j'allais produire. C'est ce que je vais faire. Je baisse de 1 ici, malheureusement. Sur 3 territoires. Donc, 2 nourritures, 2 bois, 2 villes. Je fais l'enroulement. Je prends les nourritures immédiatement pour faire l'enrouleur. Donc, je prends les nourritures et je les mets là. Quel enrouleur je prends? L'enrouleur qui est à côté de l'amélioration. Et je le mets sur le bonus des cartes de combat pour avoir des cartes de combat parce que j'en ai juste une. J'espère en avoir d'autres. Ça va me servir. Bon, j'ai une carte, là mes cartes, là. 2 cartes de 4 et une carte de 3. Pas si mauvais, j'aurais aimé avoir une carte de 5. Je ramasse 2 sous parce que j'ai fait un enrouleur. Donc je ramasse un 3, je m'enlève un 1. Ça termine mon tour. Donc, un autre enrouleur, ça me fait une étoile. Bon, des bâtiments, il m'en reste 2 construits. Je ne sais pas si j'aurai le temps là. Je ne sais pas. Bon, l'ouvrier, ben, il n'est pas cette faction-là, donc on voit ici. Déplacement non offensif de Mecha. Ah, fiou, il ne va pas se battre. Ah là là, une chance. Bon, il va aller ici. Il est vraiment tout près de 2. Ouais, c'est le meilleur point. Vous voyez, ces 4 mecs sont entourent l'usine. Gagne une carte de combat, gagne un sou, gagne un mec. Bon, les mecs, ils ont tous. Donc, gagne une carte de combat et gagne un sou. Une carte de combat, on lui donne un autre sou pour monsieur et l'enrouleur de points de puissance, je l'ai, oui, donc je passe de 4 à 5.
Fiu! Et il augmente 1 sur son échelle. Il est rendu à la 1, 2, 3, 5e. 5e rangée commence. Ça commence à craindre. Ça commence à être chaud, comme on dit. Bon, est-ce que là, je vais me déplacer encore? Je vais essayer de. Il faut aussi que là, en fin de partie, il faut essayer de s'étendre pour contrôler plus de territoire possible. Parce qu'on sait que les longs territoires donnent de l'argent enfin. OK, je vais me déplacer. Lui, il se déplace vers les fermes ou les villages, donc pour les traverses des rivières. Donc 1, 2. Lui, il va avancer de 1. Là. Lui reste là. Puis lui, il va se mettre ici. Et là, je pense que j'occupe beaucoup de territoire comme ça. OK. Pour deux huiles, deux pétrole, je vais m'améliorer quelque chose. Je vais améliorer. My God. Qu'est-ce que je vais mettre pour. Je vais mettre à trois bois la construction de bâtiments au lieu de deux. Là. Ouais. Ouais, c'est bon. Regardez ce que j'ai fait, je vais vous montrer, là, le plus proche, là. Je vais améliorer ici, qui me permet, quand je vais payer un sou, là, au lieu d'avoir gagner deux ressources, je peux prendre, gagner deux points de popularité, et ça me coûte trois bois maintenant à construire, donc c'est pas mal le meilleur que je peux faire dans les circonstances. Donc, en améliorant, ça me donne un sou et un point de force militaire. Donc, je passe à 6. Et je gagne un sou encore. Ça termine mon action. Ouais. Ah oui, je fais une rencontre, par exemple. Je fais une rencontre. J'ai oublié. J'ai pas mal de rencontres. C'est ma 2, 3, 4, 5e rencontre. C'est rare, je fais autant de rencontres dans une partie. Vraiment. Bon, ici, je suis dans les bois. Il y a des bûcherons, là. Donc, je peux abattre un arbre pour aider les ouvriers à atteindre leur quota. Je reçois deux nourritures et un point de popularité. Ça, c'est pas mauvais. Soit j'engage les travailleurs pour une journée, je paye 3$ et je construis un bâtiment. Oh, ça, c'est encore mieux. Ou je perds deux points de popularité pour recevoir un ouvrier. Donc, je pense que je vais payer 3$ pour construire un bâtiment. Ça va accélérer ma construction de bâtiment. Ouais. 3$. Pour construire un bâtiment. Bon, ça fait plaisir de prendre 3$ et 3 sous, 3$, c'est pareil, et de construire un bâtiment. Je vais construire quoi donc? Là, je ne peux pas construire deux bâtiments sur le même hexagone. Là, les mines sont occupées ici. Les autres mines, je peux pas. Bah, c'est pas grave, là, même que. Pouf! Où je fais une mine, je me mets une mine ici, tiens, regardez. C'est comme ça, c'est correct, là. C'est plus tard que je pourrais déplacer, mais ouais. Non, j'ai pas le choix de la construire, c'est qu'un ouvrier. Je peux la mettre, ma mine. Bon, je peux plus construire un arsenal ici. Place-moi un autre, c'est pareil. OK, donc plus qu'un bâtiment à faire, plus qu'un enrôleur à faire, plus que. Donc je suis prêt de mettre plusieurs étoiles en jeu. C'est juste que je survive l'automa, la pression qu'il me fait là, parce que il est prêt à se battre, mais heureusement, j'ai pas des cartes. Mais là, je dis ça, mes gars, je vais peut-être en avoir une là. Ouf, encore une fois, une carte qui n'est pas de combat, heureusement. Bon, il laisse cette faction ici, vous voyez. Donc, il se déplace vers l'usine ouvert un point de. Donc, est-ce qu'il doit se déplacer sur l'usine et se battre? Je vérifie dans les règles s'il doit aller vers l'usine et se battre et je reviens. Bon, ça dit ici, là, dans les règles, là, que quand il fait une rencontre usine ou usine. Le territoire valide, c'est aucune unité adverse. Donc, comme j'ai déjà quelqu'un, j'ai déjà une unité sur l'usine, il n'ira pas à l'usine. Donc, il ne peut pas effectuer l'action, prendre un jeton rencontre pour aller à l'usine, parce que jeton rencontre, il n'y en a plus disponible.
Oui, il y en a un. Ben oui, il y en a un. Ici. Là. Et voilà. C'est là qu'il va. Et oui. Bon. 3 en puissance. Il s'est rendu à 15. Un ouvrier, ben, il les a déjà tous. L'enrôleur des points de popularité, je l'ai. Je monte de 1 encore. C'est merveilleux. Je suis rendu à 11. Plus que 2 jeux. Et l'amorce d'une étoile. Bon, son cube se retrouve sur une case qui est une étoile pleine. Donc, une autre étoile qu'on place. Donc, il y en a 3 d'étoiles sur. C'est ça. Donc, c'est à moi. Maintenant, là, je vois. OK. Soit je construis un bâtiment où j'enroule, puis je me mets une étoile. Construire le bâtiment, je n'ai pas assez de bois de toute façon. OK. Je vais produire. Je descends encore de 1. C'est un peu dangereux, mais bon. Sur 3 territoires. Donc, 2. 2. Nourriture. 2 bois. 2. Pétrole. Je fais l'action d'enroulement, donc je prends les deux nourritures. Et les derniers enrôleurs, je l'enlève et je le mets sur le bonus des sous. Donc je me gagne 2 sous. Je vais prendre 3, je vais enlever un. Et j'ai mon étoile que je place dans les petites étoiles pour les 4 enrôleurs. Et voilà. Ça fait 3 étoiles et ça me fait. 2 sous en plus. J'ai pris 2 sous pour le bonus, mais ça fait quand j'enroule, ça me fait un coup de. Je gagne 2 sous. Déjà. J'ai comme fait 4 sous avec cette section-là. Et je gagne une carte combat. Une carte combat qui est un autre 3. Ok, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ouais, c'est que donc, si j'ai le temps, je vais pouvoir construire un autre. Mon dernier bâtiment, le prochain tour. Mes aberrations, je ne suis pas en mauvaise part. Là, c'est juste de monter ma popularité et je sais quoi faire pour monter ma popularité. J'ai une petite action. Ça devrait bien aller. Tout dépendant de la carte que l'automa va me tirer. Ah là, voilà, c'est celle-là que je ne voulais pas voir. Bon, est-ce qu'il y a un en force militaire? Évidemment que oui. Donc, il va se battre. Il veut se battre. Ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Donc là, c'est sûr qu'il y a tellement de choix de places qu'on peut se battre. Il faut que je regarde contre qui va se battre. Lequel? Bon. Le plus proche. L'unité combattante qu'on prend, c'est la plus proche de la base d'automates. Donc, le plus proche. Bon. Si on a 2 là, qui sont plus proches de la base, ça va être elle. OK, c'est celle-là qu'on va prendre. Le terrain est valide dans le voisinage, n'importe qui dans le voisinage de la base automate, aucune unité adverse. Territoire valide, le moins d'unités combattantes adverses. En cas d'égalité, le plus proche, bon, il va se battre à l'usine. Si le plus proche de l'usine, c'est l'usine. Donc, lui, il essaye d'aller là. Il va se battre avec lui. OK. Maintenant, le combat. Bon, c'est à moi de décider qu'est-ce que je fais avec ça, là. J'ai des cartes, je vais me prendre la plus forte, je vais prendre mon 4. Je vais prendre le max, je vais prendre une chance. Si je prends 5 de puissance plus 4, ça fait 9. Je sais pas, je vais vraiment y aller, je lâche pas. Tout d'un coup, il y a une carte de 7, puis un 2. Ouais. Il est comme sûr de gagner dans le sens, hein, parce que s'il y a 7 et 2, parce que quand on se bat, si je regarde les règles, c'est quand il y a égalité, c'est l'attaquant, je crois, que l'avantage. Joueur, les égalités sont emportées, joueur attaquant, bon, c'est ça. Donc, les cartes de combat, la plus basse, c'est un 2. Il va avoir un 7, pas mal sûr, donc il va avoir 9. Moi, plus ce que je peux faire, c'est 9. Donc, je suis sûr de perdre ce combat-là. Fait que je ne ferai pas un combat pour rien. Je vais faire. Je vais prendre 0. Bon, je vais prendre la roulette, là. Je vais prendre 0. C'est aussi simple que ça.
Avec un 3, là, juste pour dire que. Parce que si je perds et j'utilise une 4 combat, ben. Non, je vais prendre un 1 parce que ça me prend. Faut que je prenne un point, ça puise la puissance pour avoir une 4 de combat si je perds le combat. De plus. Donc, je vais faire 4. Je sais que c'est pour rien, je vais perdre, là, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, le tomate. Ah, c'est pas vrai. C'est la carte que. Là, j'aurais dû. Tiens, faut savoir. Il y a un sur sa roue, puis c'est une carte de combat. C'est incroyable. Je pourrais plus gagner ce combat-là, mais je pourrais encore le gagner. J'ai 4, hein, on s'entend. Si. Bon, en tout cas, il y a un. Donc, il baisse. J'ai mis 1, je baisse de 1. Lui, il y a un 1, il baisse de 1. Donc, 1 plus une carte combat. La carte combat, c'est une carte au hasard, là. Allez, faites que ce soit un 2. Ça serait trop drôle. J'aurais la chance du. Hein, vraiment. 2! J'ai peine à croire qu'est-ce qui m'arrive. Il y a 3. Il y a 3 en combat. Comprenez-vous? Il y a 3. Cette carte-là, là, quelqu'un qui a 14 et plus, là, qu'il y a juste un de. C'est rare que ça arrive. J'étais vraiment très chanceux. Je ne peux pas croire que j'étais aussi chanceux que ça. J'ai gagné le combat avec 4. Ça se peut pas. C'est la première fois que je vois ça. Ah, j'ai peine à y croire. Vraiment peine à y croire. C'est comme ça. Bon, ben, j'ai gagné le combat. C'est incroyable. Ben, OK, ben, son mec retourne sur sa base. Hey, c'est un coup de bluff. Je pense que c'est enregistré parce que je pense que je vais vous raconter à mes amis, ils ne croiront pas. OK. Je gagne une étoile parce que j'ai gagné le combat. Ça se peut-tu? Ben, c'est. En tout cas, j'ai la chance des dieux avec moi. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Bon, bien, si sa base n'a pas fonctionné, mal lui en prie. Gagne un sou. Et l'envoleur des cartes de combat, je l'ai. Donc, je vais gagner une carte de combat. Il n'avance pas. Donc, il gagne un sou pour tout le trou qu'il s'est donné. Son mec s'est fait battre en retraite. Moi, je gagne une carte combat. Ben, à cause de l'enrouleur. Et une carte qui vaut 5. Oula! Allez, je savais qu'il y avait des cartes comme ça qui existaient dans le deck. Là, des cartes que même s'il est fort, ça pèse de puissance, qui lui donne presque pas de points lors des combats. Mais je pense qu'il n'est vraiment pas tombé là-dessus. Regardez, là, d'habitude, là, c'est. 7, ben, je savais combien d'avoir, là. 7, tu sais, pour moi, là, c'était sûr qu'il y avait 7, là. En tout cas, ouais, je pense que les gens avec moi, ils veulent que je gagne cette partie-là. OK, bon, ben, je me suis déplacé. L'autre fois, je pourrais m'en déplacer encore, mais c'est pas ça que je veux faire. Je disais que j'allais construire mon dernier bâtiment pour avoir une autre étoile. J'en ai 4 en jeu. L'objectif, c'est vrai, j'ai l'objectif. Bon, l'objectif, c'est d'avoir 7 en points de puissance, je ne l'ai pas. Puis l'autre, contrôle un territoire. Ok, bon. MK, 5 ressources. Je vais faire l'action de. Ah oui, l'action de construire. Bon, pour un sou, j'ai le choix d'avoir 2 ressources ou gagner 2 points de popularité. Devinez que je vais prendre les points de popularité. Hein? Je me retrouve à 13. Donc, je suis au niveau supérieur. J'ai le maximum d'argent à chaque. Pour l'étoile et le nombre de territoires. OK. Et je gagne un point en popularité. En popularité, mais en puissance militaire. Et à cause que de l'arsenal que j'ai construit, ça a débloqué ça. Et pour 3 bois, j'ai construit mon dernier bâtiment. Pour 3 bois, la mine. Que je vais mettre où est-ce qu'il y a un ouvrier, on va la mettre ici. Et ça me fait un autre point de popularité à cause de mon enrouleur qui est plus là. Et voilà. Et une autre étoile pour avoir construit les 4 bâtiments.
Bon, ben là, si la sixième étoile, je pourrais la mettre, ça serait pour soit j'atteins 18 en popularité, soit j'atteins 16. 16, je pense pas l'avoir. 18 peut-être. Ou toutes mes améliorations, j'en ai juste deux. Ouais, je pourrais faire ça puis terminer la partie. Bon, ben, on va continuer. Là, Thomas, il n'est pas cette faction dont on ne fait rien du tout. L'usine ou le point de jeton rencontre, il ne peut aller ni sur l'usine, ni sur un jeton rencontre, il n'y en a pas disponible. Donc, c'est un déplacement de personnage principal. Il va aller ici, le plus proche de l'usine possible. Voilà. Il gagne une carte combat et deux sous. L'enrôleur dessous, je l'ai. Il avance de 1 sur son étoile. Bon, il gagne une carte combat. On va lui donner. Espérant que c'est un 2. Ah, je suis pas gentil. Deux sous. Moi, j'ai un sou, puisque j'ai l'enrôleur des sous. Il avance de 1. Bon, il est rendu 1. Le prochain tour, il va mettre une autre étoile. Et voilà. Bon, ben, c'est à moi. Donc, je vais me déplacer pour pouvoir éventuellement faire une amélioration. Bon, là, je peux déplacer. Là, je vais continuer à étendre mon territoire. Mes enrôleurs sont faits. Donc, être sur une ferme, c'est plus important pour moi. Je vais déplacer mes ici, là. Lui, je vais aller là. Lui, va aller là. Ça fait deux déplacements. L'autre déplacement, le bois, j'ai terminé. Moi, lui, il est tout seul là. Ouais, c'est ça, genre. Comme j'ai plus besoin de bois, j'ai plus juste besoin du pétrole, j'ai du monde là. Je vais prendre le mec qui est là, je vais reculer ici. Je vais laisser lui là, puis je vais aller. Non, je vais aller. Ouais, lui va aller. Ok, pour un déplacement, le mec s'en va là. Deux s'en va là. Parce que je vais l'amener parce que le. Parce qu'il y a le pétrole, mais je ne sais pas. Bon, on va faire ça. Je veux en plus d'étoiles possible, comme ça. Tiens. Je suis bien étendu. Maximiser le. Puis aussi que l'usine compte pour trop, hein. Faut savoir que l'usine compte pour trois territoires. Donc, j'ai intérêt à le conserver. Donc, j'ai fait mon premier, un, deux déplacements. Troisième avec le mec. J'ai fait mes trois déplacements. Donc, l'autre action du bas, c'est l'amélioration. Donc, pour deux pétroles, deux huiles, je fais une amélioration. Je fais. Ça n'a plus d'importance lesquelles, là. L'important, c'est juste de sortir, de finir les six, là. Ça me fait un sou plus un point de puissance militaire. Donc, voilà. On est vraiment sur la fin, là. Vraiment, vraiment. Je suis confiant d'avoir gagné cette partie-là. Bon, l'automa, ben, déplace, ça c'est vrai, c'est pas une carte ben. Ah, ben. Ok, ouais, il va se passer des choses. Déplace un ouvrier, bon, il y en a un. Il va déplacer ici, le plus proche de l'usine, il n'est pas en danger, personne. Non, ici, plus ici. Dans le voisinage, il y a trois unités ici. Ouais, il va se mettre là. Gagne 2 points de puissance militaire plus un ouvrier. Ouvrier, ils ont déjà tout. Bon, là, il se rend à 16, lui-là. Là. Donc, il gagne une étoile. Lui, évidemment, quand il sera au maximum la pièce de puissance militaire, il se place une étoile. Donc, il y en a maintenant 4. 4 en jeu. C'est pour ça qu'il peut terminer. Avant d'atteindre la dernière étoile sur la piste, sur sa piste, sa petite carte. L'enrôleur des points de popularité, je l'ai, donc je monte à 1, je suis rendu à 15. Il avance de 1. Il avance de 1, bien maintenant, il avance une case avec une étoile pleine, il place une autre étoile. Donc, il est rendu à 5, tout comme moi. Tous les deux, 5 étoiles de placer. Et lui, prochain tour, il pourrait terminer ça. Donc, c'est moi. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Je pense pas que je puisse terminer parce que. Est-ce que je peux avoir 3 points de popularité?
Oui, je peux terminer. Je viens de trouver comment. Je paye un sou. Un sou. Puis avec ça, ah non, je peux pas. Ça me prend, je faut construire, ça me prend deux bois, j'en ai juste un. Bon. Où j'ai ça ici. Où je produis. Ouais, je pensais gagner 3 points de popularité, mais je peux le faire. Ah, c'est ça. Pour un sou, je vais prendre 3 points, deux points de popularité ici, plus un point de puissance militaire, donc un là. 2 points de popularité, je m'envoie à 17. Ah, il m'en manque un, c'est ça. Puis là, l'action du bas, ben si j'aurais 2 bois, même si j'ai construit tous mes bâtiments, je pourrais faire l'action de construire, même si j'ai pas. Mais ça aurait été bon pour gagner l'enrôleur dessous. Donc, j'étais à un de placer ma dernière étoile. Fait que j'ai pas de. Je peux pas terminer. Même que je peux pas, parce que l'objectif, je peux pas le. J'ai rien pour. Je suis pas en position de l'avoir. Les 8 ouvriers, ben je peux pas. Ben. Je peux les produire. J'en ai un. Non, j'aurais même pas pu produire les 8 et les 3 ouvriers qui restent. En tout cas, ça se termine comme ça. On va peut-être que ça se termine à ce tour-ci. Oui, ça se termine pour moi. Mais je vais peut-être gagner quand même. Bon, lui, il est cette faction-là, donc recherche à aller sur l'usine où un pion rencontre. Il ne fait rien de ça. Déplacement d'un ouvrier, ben oui, il y en a un autre. Il en reste un sur sa base. Hein, il va le placer. Ça dérange plus vraiment cette étape-ci, là, où ce qu'il met, là. On va le mettre là. Et gagne une carte combat, il y a un mec. Ben, le mec, il l'a déjà. Gagne une carte combat, c'est plus pour la forme que je vais lui donner, là, puisque la partie se termine. Et voilà. L'enrôleur des sous, je l'ai, je me gagne un sou. Et l'avance de 1, ben, en avançant de 1, ben, il se trouve à avancer ici, sur une case avec une étoile. Et la dernière étoile, il la place. Sixième étoile. Et c'est terminé. Il a mis les 6 étoiles sur la piste. Évidemment, pour que je puisse gagner, il aurait fallu que je fasse un tour de plus. Mais lui, il aurait fallu que je ne le laisse pas augmenter sa puissance. Mais bon, c'est fait. Donc, il ne reste plus qu'à calculer les points, l'argent qu'on a à la fin de partie avec les ressources et tout. Je vais juste préparer ça, puis je vous reviens. Bon, lui, il y a 4 sous par étoile qu'il a mis. Donc, il y a 6 étoiles, donc il gagne 24 sous. Donc, on va prendre l'argent, on va y prendre 20, 3, 24. On va lui donner ça comme ça, après ça, on va compter tout l'argent que ça lui fait. OK, combien de territoires qu'il contrôle? À la base, compte pas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois 3, 36. Donc 20, 10, 5 et 1, 36. C'est tout. C'est ça sa fortune qu'on va y compter. Donc, je vais tout prendre ça. Tout mettre ça dans mes. Et puis ça, on va le compter ensemble. Bon, il y a, OK, 40, 2 fois 20, 40, 50, une fois 10, 3 fois 5, 15, 65, plus 3, 68, plus il y a un paquet d'un sou là. 68 plus c'est un sou qu'il y a, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79. 79, normalement c'est assez pour gagner. Ça serait assez pour gagner si je ne serais pas rendu à ma population.
Si je serais dans le même niveau de popularité que lui, probablement qu'il gagnerait, mais comme je suis déjà un niveau plus haut, je pense que je vais l'avoir, mais bon. Ok, à mon tour, j'ai 5 étoiles de fait. 5 x 5, 25. Donc, je me prends 25. 25. Et cela. Les territoires que j'occupe, 1, 2, 3. Les bâtiments comptent. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Attends un peu. On va commencer d'en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'usine qui compte pour 3, ça fait 13. 14. On va compter encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois 4, ça fait 40, 56. C'est ça, 14, 40, 16, 56. Donc, 20, 40, 50, 56. Vous voyez, c'est vraiment ça qui m'aide, là, d'être au niveau supérieur, puis le multiplicateur de l'argent, là. Par nombre de deux ressources, ça fait 3. Mais comme j'ai juste un bois comme ressource sur le jeu, là, j'ai juste, ça ne me donne rien du tout. Si j'en avais eu 2, j'aurais gagné 3 sous. Plus la carte bonus, j'ai 2 bâtiments, un sur cette mine-là, un autre sur cette mine-là. Les deux autres ne sont pas sur des mines. Donc, ça fait 4 sous. 3 et 4. Donc, c'est à mon tour à compter. Donc, on a dit 79 pour lui, hein. Moi, j'étais à 60 ici. 3 fois 20, 60. 70. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, 24. 104. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 111. Je pense que j'ai jamais eu autant de points que ça dans toutes les parties que j'ai eues. J'ai 111. J'ai peut-être eu 102, 103 une fois, mais 111, c'est vraiment mon top. Je suis content là, d'avoir partagé avec vous cette partie-là. Là. Bon, j'ai peut-être fait des erreurs. Je crois pas que j'ai fait des majeures, là, mais c'est possible. En tout cas, si vous me mettez un commentaire si j'en ai fait, là, puis ça me fait plaisir de rectifier. Puis, mais c'était une partie de site en solo. Si j'aurais metté sur l'usine avec mon personnage, j'aurais aimé ça. J'aurais pu gagner une de ces deux cartes-là. Bon, payer ça, c'est payer un point de force pour 3 sous. C'est pas vraiment ça que j'aurais choisi. Payer 2 sous pour un. Ah, mais ça, j'aurais plus pris celle-là. Payer 2 sous pour un mec ou un point. Mais en réalité, si j'avais eu le choix entre les trois, c'est celle que j'aurais pris, là. Bref. Non, j'aurais pris celle-là. Un mec et un point de puissance que j'aurais hésité entre les deux. Là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous remercie pour d'avoir visionné cette vidéo. Puis on se retrouve bientôt pour une autre session solo d'un autre jeu. J'ai pas encore choisi lequel, mais ça va être sûrement très intéressant. Fait qu'à la prochaine!